Fidèle à sa tradition, la coalition intersyndicale Coton 46 a voulu rendre hommage aux travailleuses et aux travailleurs dans le cadre de la journée internationale qui leur est dédiée le 1er mai. Les festivités comprennent habituellement un 5 à 7 accompagné de sandwich aux grillades, mais pandémie oblige, l'événement n'aura pas lieu cette année. Les membres de la coalition ont plutôt misé sur une conférence de presse dont le but était de rendre hommage à certains quarts de métier, dont le personnel des domaines de la santé et de l'éducation. On veut quand même en profiter, au moins pour célébrer et rendre hommage à trois types de travailleurs et de travailleuses qui ont été particulièrement sollicités au cours des dernières années. On pense bien sûr au personnel du monde de la santé, préposés aux bénéficiaires, infirmières, etc., qui ont été pris pour travailler dans des conditions épouvantables avec suspension des conventions collectives qui sont sorties, là, dont plusieurs sont sortis éclopés, je veux dire, même abandonné la profession qu'ils aimaient, tellement ils ont été éprouvés par le travail. Également, des enseignants. Les enseignants qui ont été pognés pour travailler, je veux dire, à parler habitués de parler devant des élèves, il fallait qu'ils parlent devant une caméra, qui réorganisent complètement leur façon de travailler et dans des conditions également qui ont été épouvantables. Et bien sûr, également les travailleuses des garderies. Le personnel enseignant là, a eu des moments difficiles de par la pandémie, mais jumelé aussi à la pénurie de personnel. On comprend que la pénurie touche beaucoup de corps d'emploi, mais de notre côté, présentement, ça affecte beaucoup et ça vient en même temps alourdir la tâche des collègues. Mais il va falloir faire attention, parce qu'au-delà d'attirer les jeunes, comme j'ai dit, il faut prendre soin de ceux qu'on a en place présentement. L'idée de cette conférence de presse était également de mettre en lumière cette journée qui passe trop souvent sous silence, selon la coalition syndicale. Le 1er mai est pas bien connu non plus de la population, puis c'est important de le répéter que c'est la fête vraiment des travailleurs, des travailleuses, et non au mois de septembre qui est la fête du travail. Alors là, on fête le 1er mai, on souligne vraiment les luttes exemplaires. Il y a des gens qui ont perdu la vie pour faire avancer la classe ouvrière, mais aussi améliorer les conditions de vie de la population. Alors, on parle des services publics. Aujourd'hui, si on a ça, c'est parce qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue et c'est toute la population qui en bénéficie aujourd'hui. Il n'y aura peut-être pas d'événement local pour souligner cette journée, mais les membres de Coton 46 ont invité la population à prendre part à une manifestation qui aura lieu le 1er mai. Cette année, le 1er mai, à Montréal, il va y avoir une manifestation. Comme il y en a toujours une à Montréal, mais comme on n'en fait pas une dans notre région cette année, j'inviterai les travailleurs, travailleuses, les citoyens, citoyennes de la région à aller manifester le 1er mai à 13h au Square Cabot à Montréal. C'est à côté du métro Atwater. Des milliers d'hommes et de femmes vont manifester sous le thème « Pour vivre comme du monde ». On a parlé de travailleurs, travailleuses qui veulent avoir des conditions de travail comme du monde. Enfin, il a également été question de la réforme de l'assurance-emploi lors de la conférence de presse. Les membres de Coton 46 invitent ceux et celles qui s'intéressent au sujet à participer à la tournée du Bloc québécois, laquelle s'arrêtera au 87 rue Sainte-Cécile à Salaberry-de-Valleyfield le 29 avril prochain de 11h à 13h. On profite notre porte-parole Louis Chabot. On va faire une tournée régionale sur la réforme de l'assurance-emploi, puis ça va se faire à partir du 29 avril pour donner parole d'abord aux travailleurs, puis aussi aux citoyens qui sont aux prises avec un programme, une loi qui devrait être modernisée parce qu'elle n'aide pas vraiment ni les employeurs ni les travailleurs à faire face aux nouveaux défis là, qu'on a actuellement. Dans chacune de nos organisations syndicales, on a été en contact avec des gens qui ont eu des problèmes épouvantables avec l'assurance chômage. Par les temps qui courent, il y en a encore, en tout cas, c'est un fouillis épouvantable actuellement, là, de délais, de toutes sortes de... Et on veut profiter de l'occasion pour apporter des éléments de réforme.